Let's go. Alors salut à toutes et à tous, c'est Vaval7is et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le poulailler automatique en version 1.5.1 sur Minecraft. Donc que j'adore avec des nouveaux objets. Donc, je vous expliquerai ça par la suite. Donc en première partie on va voir les caractéristiques de la poule avec ces deux machines, on peut dire ça, enfin c'est pas trop une machine. Mais on va voir ces deux trucs là et ensuite le fonctionnement sous l'aspect physique et en troisième partie le fonctionnement sous l'aspect intérieur, donc avec la redstone etc. Donc tout d'abord un poulet est un animal qui fait un bloc de largeur et de hauteur qu'on trouve dans à peu près tous les biomes sauf en dessous de la terre, hein, dans les grottes etc. Vous pourrez pas en trouver à part si elles sont tombées dedans. Donc un poulet peut se faire, si il veut bien aller, voilà, ben ici, il peut se faire déplacer par un piston, voilà, comme ceci, et comme ceci. Donc c'est très intéressant qu'un poulet puisse se faire déplacer par un piston, car on peut faire d'autres systèmes. En l'occurrence, je vais mettre le jour, donc en l'occurrence sur ce tuto il n'y aura pas besoin de piston. Mince. Sur ce tuto il n'y aura pas besoin de piston, donc cette technique ne sert à rien, mais je voulais vous le dire pour le poulet. Donc ensuite un poulet fait naître des œufs. Donc un œuf, vous avez une chance sur 8 de faire naître un poussin, et une chance sur une trentaine de faire naître 4 poussins dans le même œuf. Donc c'est rare, mais moi j'ai eu plusieurs fois, donc pourquoi pas vous. Donc voilà, on va essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19. Donc là on n'a pas eu de chance. Mais vous voyez que ça arrive plus vite après. Ouais, on a vraiment pas de chance. Enfin, il y en a eu 3. Et vous voyez que celui-là, il a été tapé, donc on peut le tuer. Hop, il a été tapé. Donc il revient pas vers sa mère, mais vous regardez que pour les deux autres, ils reviennent vers la poule qui se trouve ici. Donc j'ai pris un œuf de cette poule. Donc les poussins reviennent vers leur mère. Donc c'est une des caractéristiques aussi. Donc voilà. Donc on va pouvoir les tuer. Voilà. Donc voilà pour l'œuf. On va pouvoir le retirer. Maintenant la plume. Donc une plume, c'est un des objets que la poule donne quand on la tue. Donc une plume sert à faire des flèches. Donc en faisant cette forme-ci avec une plume en bas, un bâton au milieu et un CX en haut. Donc ça vous donne 4 flèches, donc utile pour tuer des animaux, des mobs ou encore des joueurs. Donc voilà. Ensuite, le poulet cru. Donc le poulet cru, vous l'avez quand vous tuez une poule avec une épée ou n'importe quoi, mais sans aura de feu. Donc voilà. Maintenant, on peut avoir du poulet cuit en utilisant, comme tout le monde fait, un four, un briquet. Donc je vais vous faire voir comment ça fait. Un briquet, hop, la poule crame tout doucement, hop, et elle tombe et on a du poulet cuit. Voilà. Donc le briquet, tout le monde le sait. Ensuite, avec de la lave. Donc je vais pas vous faire un tuto, mais sur un ancien système, avant la version 1.5.1, j'ai voulu faire un tuto sur le poulailler automatique et la version venait de sortir. Donc j'ai changé, donc j'ai pas pu vous faire le tuto. Donc on peut bien, avec un seau de lave, tuer une poule et avoir des poulets. Donc ensuite, avec le four, je vous l'ai dit, et
une épée avec aura de feu. Donc comme ici on va voir, voilà, avec aura de feu, vous avez du poulet cuit. Voilà, donc pour les caractéristiques de la poule. Donc on va se retrouver dans une deuxième partie, à tout de suite. Donc re à tous, donc on se trouve dans la deuxième partie, donc le fonctionnement sous l'aspect physique. Donc le système est très simple, donc on va appuyer sur ce levier qui se trouve au milieu de ces blocs. Et on va appuyer sur le levier et vous voyez que les dispenseurs crachent des œufs à intervalles réguliers. Donc dans un cœur, donc on expliquera ça par la suite. Donc ça, on a une chance sur 8 de faire naître un poussin. Et une chance sur une trentaine, comme je vous l'ai dit, de faire naître 4 poussins d'un même œuf. Et vous voyez qu'en dessous, milliers de... Enfin, de toutes les poules que j'ai mis, vous avez des entonnoirs, donc la nouveauté de 1.5.1, une des nouveautés, pardon. Et les entonnoirs sont tous reliés entre eux, on verra ça après, et ils reviennent tous dans ce coffre. Donc, comme quand les poules pondent des œufs, ils vont venir se stocker là-dedans. Donc je l'ai mis juste, j'ai mis les entonnoirs juste, enfin j'ai fait le système juste avant, il y a même pas 5 à 10 minutes. Et vous voyez que c'est déjà bien rempli. Donc c'est un système très rentable si on met beaucoup de poules dedans et qu'on ne tue pas. On peut très bien faire un bac à côté avec plein de poules et avoir des œufs et ensuite les mettre là-dedans et avoir une chance sur 8, etc. Et de faire un grand enclos à poules pour avoir plein d'œufs. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la troisième partie, donc le fonctionnement avec la redstone, etc. Donc dans ce bac là, et ça aussi, mais c'est moins compliqué, hein, vous voyez, c'est juste une cage. Donc on va voir ça tout de suite, à tout de suite. Pour la troisième et dernière partie, re à tous. Donc les objets dont vous aurez besoin sont un coffre, ou deux coffres comme vous voulez, des planches de chêne, le bloc d'autre choix. Du verre pour mieux voir, de la redstone, une torche de redstone, deux répéteurs, deux distributeurs, un levier, et ensuite des œufs, et on pourra aussi utiliser des blocs de quartz ou n'importe quoi pour rendre votre machine plus esthétique. Donc tout d'abord vous allez placer un coffre au centre comme ceci avec des blocs autour. Donc vous en mettez trois de chaque côté. Comme ceci. Hop. Et ensuite, vous allez avancer comme ceci à 8 de longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Je vais vous reboucher. Hop, hop. Mettre le jour. Comme ça, on va pas être embêté. Aussi, j'ai oublié l'élément majeur, excusez-moi, l'entonnoir. Donc, c'est pas l'appui, quand c'est pas le temps, c'est l'appui. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez prendre des entonnoirs, et pour mettre un entonnoir sur un objet de votre choix, donc par exemple, on va mettre un entonnoir qui se trouve ici sur le coffre ici, vous devez appuyer sur Shift. Et faire clic droit sur l'objet en question, donc sur le coffre. Hop. Vous voyez que il est bien relié en dessous, on voit bien qu'il est relié, on va creuser. Il est relié avec un petit truc comme ça. Donc c'est très intéressant. C'est très obligatoire aussi. Donc après vous allez relier pareil, en faisant shift comme ça, tous les blocs, tous les entonnoirs, comme ça ils vont se rejoindre tous ici. Donc pareil ici. Ah, ici. Donc là c'était le cas le plus compliqué, donc c'est la première ligne ici. Donc après vous avez juste à tous les empiler comme ça, toujours en appuyant sur Shift. Hop, il me semble que tu l'avais pas vu. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre du verre, donc je vous conseille de monter le verre à 3 de hauteur. Voilà, on monte les couches.
Voilà, donc ensuite on va pouvoir vous boucher comme vous voulez. Donc on va boucher tout simplement. Vous pouvez faire un toit. Nous on va juste boucher comme ça. Excusez-moi pour le ventilateur si ça vous gêne. Mais il faut que j'attende d'acheter un casque. Voilà, donc vous bouchez comme vous voulez, vous pouvez faire un toit comme j'ai fait. Donc voilà, donc ensuite vous allez prendre la moitié, donc à peu près ces deux blocs ici, donc il y a trois de côté, trois de l'autre, trois blocs d'un côté, trois blocs de l'autre, donc vous cassez comme ceci, la dernière couche du verre. Moi je vais mettre ici parce que ici. Et comment on va faire? Il va falloir que vous. Comme ceci. Il va falloir que vous mettez vos dispensers. Votre distributeur si vous voulez en français en dessous comme enfin derrière le verre comme ceci, donc il fallait mettre des blocs, voilà, et vous les pétez en dessous ensuite, pardon. Donc voilà, les distributeurs sont mis, vous pouvez reboucher. Voilà, donc maintenant on va faire le système qui va permettre d'envoyer des pulsations, donc des pulsations, donc c'est, on appelle cela soit un cœur soit une horloge. Donc ça a plusieurs significations, plusieurs traductions, plusieurs synonymes. Donc vous allez faire un 5 comme sur les dés. Ouais, je me repère comme ça, hein. Vous pouvez vous repérer comme ceci. Donc un 5 comme sur les dés, vous rajoutez aussi un bloc en dessous. Donc vous allez mettre une torche sur ce bloc. Voilà. Avec un levier ici, donc vous l'arrêtez. Voilà, la torche s'arrête. Ensuite, vous allez mettre une tâche de redstone ici, une tâche de redstone ici, et vous voulez mettre des tâches de redstone aussi ici, parce que si vous mettez une tâche de redstone ici, eh ben, ça fait beaucoup de ici. Non, mais, donc si vous voulez mettre une tâche de redstone là, on va changer, ça enverra que des œufs par ici. Donc, on veut des deux côtés, donc, faut mettre de la redstone sur les deux dispensers. Donc pour cela, vous, quand vous faites clic droit, ben ça marche toujours pas. Donc vous faites comme les entonnoirs, shift, clic droit. Vous pouvez très bien cliquer sur les blocs devant vous et ça les met directement. Donc deux techniques. Puis vous mettez un répéteur de 106 et un répéteur de 106 en bouge l'éthique O2. Et quand vous activez le levier, ça fait un système, donc une horloge, vous voyez, qui envoie des pulsations sur le dispenser. Donc paf, paf, paf. Voilà, et on peut régler la pulsation avec les répéteurs. Voilà. Donc, comme ça, avec ce système-là, votre système est fini. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez très bien remettre l'enclos à plus petit. Et vous laissez ça comme ça. Et ça fait pas beaucoup de longueur, pas beaucoup de largeur. Alors que là, ça fait plus grand. Parce qu'en fait, moi, j'ai amené le levier qui se trouve ici, ici en fait. Donc, je vais vous expliquer, enfin, vous savez déjà comment faire ça, je vais vous expliquer maintenant comment ramener le levier ici. Donc pour que ce soit un peu plus joli, on va faire ça, on va boucher aussi ici, comme ça, de l'enclos on voit pas le système. Voilà. Donc après vous mettez comme ça, donc il faut que je calcule. Hop, ça va monter. Ça va monter là. Faites comme ça, voilà. Hop, hop. Et là on reprend du bout de chaîne. Hop, hop. Donc le bloc qui est blanc en quartz au milieu, c'est le bloc qui contiendra le levier, donc j'ai commencé à le mettre. Voilà, donc ensuite vous pouvez faire comme ça. Et on veut amener de la redstone de la torche au levier. Donc pour ça, on retire déjà le levier, donc le système se remet à jour. On fait ça. Fait ça, fait ça, fait ça. On va devoir dériver parce qu'il faut pas qu'on touche la répéteur non plus. Voilà, donc on va essayer comme ça. Merde. Pardon. Hop. Alors, est-ce que comme ça, ça fonctionne?
Non, alors je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Donc, déjà, il faut faire ça. En fait, vous descendez comme ça, je pense. Et ensuite, on va faire ça pour pas toucher. C'est comme ça. Hop, 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 hop. Hop, hop. On appuie. Non, toujours pas. Donc, j'allais voir vite fait comment j'avais fait. Ça, c'est mon projet de tuto. D'accord, bon, c'est pas vrai parce que j'ai essayé, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, comme ça, est-ce que ça marche? Toujours pas. Donc, si je fais comme ça, que je fais comme ça, voilà. Donc en fait, faut que vous descendiez d'un bloc et que vous continuez en ligne droite. Faut pas que ça fasse comme ça, sinon ça marchera pas. Ça utilisera que le bloc ici. Je suis bête. Ça utilisera que le bloc ici. En fait, ça utilise. Si on met une torche ici, voilà. Voilà, ça l'éteint. Donc on alimentait que ce bloc là en fait. Alors que nous, on va alimenter ce bloc là. Donc il faut que vous continuez par là. Vous faites comme ça. Ça s'alimente ce bloc. Voilà, donc après vous pouvez reboucher à votre guise, mais le système est là. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Donc je fais ces épisodes, ces tutos en attendant le deuxième survival. Donc sur ce, à bientôt, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Allez, ciao, bye bye.